Salut tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle petite revue. Je vais vous parler d'Endripper, qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais qui n'a pas eu le succès qu'il mérite. C'est le Haze, donc petit Dripper qui m'a été confié par l'équipe de UVEP Montpellier. Donc un petit Dripper tout simple, sans fioriture esthétique, on est sur un design très très classique, qui propose quand même pas mal de montage, pas mal d'accessoires, vous le verrez tout à l'heure, qui marche plutôt bien. En plus, donc voilà, ça gâche rien. On perd pas plus de temps. Hein, comme là, on va aller en gros plan. Je vais vous montrer un petit peu la bestiole. Je vais faire un petit montage, comment moi je le monte. Et puis, comme là, on se retrouvera à la fin pour débriefer. On y va? C'est parti. Alors, on y va. Donc, vous recevrez votre Haze dans une petite pochette en simili-cuir comme ça, dans laquelle vous trouverez un petit pochon de spa. Voilà, quelques joints, quelques vis. Le petit papier Haze by VapHead. Donc, qui est même pas un certificat d'authenticité, hein, c'est juste voilà, un petit bout de carton, tout simplement. Vous retrouverez aussi un drip top, donc compatible uniquement dual coil, et monté de série, un top cape 510, compatible dual simple coil. Au niveau du plateau, alors par contre, je vais utiliser ça parce que ils ont mis un joint les cochons, je vous garantis que il tient et c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du plateau, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on a 4 postes. Donc on a un double poste positif, ainsi que 2 postes négatifs taillés dans la masse. On a des ouvertures de 2 mm, donc qui va vous permettre de passer du fil, ma foi, assez costaud. Et ici, on a un 510 plaqué argent. Donc l'avantage du plaquage argent comme du plaquage or, c'est que ça ne s'oxyde pas, voire très peu. Donc on n'a pas de perte de conductivité, contrairement au cuivre qui, une fois oxydé, n'est pas top top. Donc il faut alors l'entretenir assez régulièrement. Ici, voilà, on n'a pas ce problème. Le tube central, donc une simple pièce hein, en inox, toute simple, sur lequel on peut voir, alors hop, je vais essayer de vous faire un point, le numéro de série d'ATO, donc qui est gravé directement sur le tube. Donc ici, le 1796. Marqué Haze et la notion VapHead Origin. Voilà. Donc on est sur une pièce, ma foi, quand même assez propre. Laissez regarder l'intérieur. Donc ici, on a une petite lèvre pour venir épouser la forme du plateau en bas. Okay. Au niveau des top capes, comme on peut le voir, on a ici un cône très très prononcé. Idéal pour le rendu de saveur qu'on le retrouve ici sur la version drip top. Ok, la différence entre les deux, le drip top, on a les deux ouvertures de chaque côté, les deux cyclopes ou un cyclope. Donc celui-là pour le dual, on peut remarquer ici que sur le top on a une isolation alors on dirait du silicone, ouais, silicone transparent. En tout cas, ça fait super bien ce rôle. Il n'y a pas de chauffe ressenti sur le drip tip. Et le deuxième top cap, le top cap pour un drip tip 510 standard, on peut voir ici que j'ai les deux ouvertures du bas cyclope ouvertes. Et si je le tourne, hop, je peux enfermer une et laisser ouvert l'autre. Donc là, c'est pour le montage en simple résistance. Donc, ma foi, on a une offre plutôt complète. Je trouve ça pas mauvais. Après, chacun se fera son idée. On va se faire le montage. Hop, hop, hop. Alors, je vais prendre. Est-ce que... Ouais, ça va le faire. On va faire un petit zoom. Voilà. On ne voulait pas, je suis à fond. Pour le montage, donc j'ai préparé deux petites résistances en 0,50. Voilà, j'ai fait 2 × 8 tours sur un axe de 3 mm. Donc je fais pas un montage super super cochon, ça sert à pas grand chose là-dessus. Je vais plutôt faire un montage typé allez, saveur. Donc pour le montage, rien de bien méchant. Hop, à chaque fois on prend les trous opposés, une masse, un positif. Ok. Vous mettez votre résistance en place. Essayez de voir, enfin, de faire les choses, vous voyez pas grand chose. Je vais essayer de surélever le plateau, j'arrive. Voilà, j'ai surélevé le plateau, on y voit un peu plus clair, enfin, du moins surtout vous.
Donc on passe son résistif. Je vois qu'on est à peu près à la hauteur qu'on veut. On vient serrer d'abord un côté. Alors on serre pas trop. Parce qu'on a des vis qui sont pas de super qualité. Et si vous serrez un petit peu trop, ben vous allez couper le résistif. Et même en 0,50 ça coupe, donc croyez-moi, c'est pas l'idéal. Mais bon. Donc ouais, s'il y a un des fois signalé sur ce dripper, c'est bien celui-là. Il fallait bien trouver un. On monte la seconde résistance, donc même punition. On prend les trous opposés. Là, je vais essayer de passer voilà par-dessus pour pas que ça me gêne. Je suis hors champ, vous voyez que dalle. Allez. Voilà, on met la seconde résistance. Si elle veut bien rentrer. Donc pareil que de l'autre côté. Une fois que c'est en place, on vient serrer les postes. Alors, on ne serre pas trop, je vous l'ai déjà dit. On coupe ce qui dépasse. Jusque là, vous avez compris l'idée, il n'y a rien de bien méchant. Là, je vais venir régler mes résistances à la hauteur qui m'intéresse. Donc moi, j'aime bien les mettre un peu haute. Après, voilà, chacun fait un petit peu comme il veut. Ok. Je vais prendre une box. On va faire un petit shoot. On va coller les résistances. Oui, je sais. Monsieur Forsalinos a dit qu'il fallait surtout pas faire ça parce qu'on allait tous mourir. Bah écoutez, je suis un addict du microcoil. Je continue à les faire. Après, chacun fera comme il veut. Donc, hop, je vais baisser la patate. 75 watts. Voilà, 16 watts pour serrer les résistances. On n'est pas trop mal. Hop, petit point. Vous voyez quand même ce que je fais. Là, je fais une chauffe PPR, hein, pour pas déformer mes résistances. Je suis à 16 watts. Hein. Bon, c'est pas mauvais. On va faire l'autre côté. Ok. Je vais remettre un peu de jus. 20 watts. Chauffe qui est bon. On va préparer le coton maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais vous faire descendre un état. Donc, voilà, mes résistances sont serrées. Il n'y a pas de problème. Hop, on va passer le coton. Donc, moi ici, j'utilise du bacon 2.0. J'attends la nouvelle fibre pour la tester. Donc, pour l'instant, je m'avance pas dessus. Je l'ai pas eu encore entre les mains. Ça nous aurait tardé. On le verra prochainement. Donc, pour l'instant, je reste avec mon beau vieux bacon. Qui me donne entière satisfaction. Voilà. Qui est un très bon coton, qui n'a pas d'arrière-goût, qui est facile à travailler, qui est présenté en des petits espèces de bandeaux pads là qu'on a pu voir. Voilà. Franchement, c'est super, ouais, super bien fait. Donc le coton, ok. Jusque-là, vous suivez. Je vais couper les moustaches. J'aime pas trop bon, les drippers hein, montés à la YMCA. Cuir moustache, vous avez compris l'idée. Hop, je viens passer mon coton un premier dessous dans la petite cuve, le second. Une finition pour l'autre côté. Le dripper est monté, on n'a plus qu'à choisir un jus que vous aimez bien. Moi, c'est celui-là, l'October Moon, de chez Metroplex Vapor. On arrose abondamment. On ouvre le bouchon, c'est mieux. On ne fait pas le cochon. On a taxé un bib, on remonte tout ça et on se retrouve en plage pour le débrief. Hop! À de suite. Bon, vous l'avez vu, relativement simple à monter. On a de la place, on a des postes bien larges.
Donc là, je l'ai monté avec le top 510, donc deux ouvertures ouvertes de chaque côté. Je suis à 75 watts. Alors, je redémarre la box. Hein. 75 watts pour une résistance de 0,3. Voilà, je sais pas si. Allez, fais le point cocotte. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Marche super bien. Pour comparer, on va mettre le drip top avec les quatre ouvertures ouvertes de chaque côté. Hop. Alors c'est de suite beaucoup plus aérien, le volume de vapeur est beaucoup plus important. Je suis qu'à 75 watts hein, et j'ai pas fait un montage de cochon. Donc je vous disais, c'est de suite beaucoup plus aérien, donc on a beaucoup plus de vapeur. Seulement on perd énormément de saveur, ce qui est tout à fait normal. Donc moi je le préfère dans cette configuration-là, toute simple. Deux ouvertures. Ça marche super bien. On a un très très bon rendu de saveur. Je pense que le top cape en dôme y est pour quelque chose. De toute façon, on fait un dôme taillé conique. Ça marche super bien. Franchement, ça peut faire un super petit dripper all day pour, voilà, pour ceux qui drippent à longueur de journée, un petit peu comme moi d'ailleurs. C'est ouais, non, il a rien envié à un Oregon V3 ou encore un Magma. On est vraiment sur quelque chose de très très bien. Ça marche super bien. Petit point négatif quand même, les vis de type quincaillerie, franchement, je vous rappelle, enfin, je vous rappelle pas, non, je vous le dis, il vaut 90 euros, donc ça commence à faire une somme pour un dripper, je vous le concède. Et j'aurais aimé qu'il y ait des vis de meilleure qualité. Quand on connaît le problème, on fait attention, on ne serre pas trop fort pour éviter de couper son résistif, mais c'est un petit peu, on va dire, le point noir de ce dripper, c'est la qualité des vis, parce que pour le reste, c'est vraiment sans faute, c'est super propre, puis en plus. Ça marche vraiment super bien. Pour conclure, comme d'hab, moi il me plaît, peut-être que je vais l'acheter. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. J'encourage personne, ou je décourage personne de toutes les façons. C'est chacun ses moyens, chacun ses finances, chacun ses envies. Pour le reste, mais on se fait plaisir, on continue la paix. Puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.